Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode 1 de la saison 4 sur My Summer Car. Comme vous pouvez le voir, saison 4, c'était assez... l'intro de cette saison 4 était assez bizarre, on va dire. Puisque je reviens de prison. Du coup, comme il a dit, mon père, il y a une voiture derrière, donc on va une fois aller voir, hein. C'est sa voiture. Il y a ma moto encore toujours. Excellent. Waouh, elle est excellente cette bagnole. Elle est trop belle. Je déconne bien sûr. Elle est pas belle du tout. Du coup, je me dis que ce serait peut-être bien de commencer cette saison numéro 4 en allant faire quelques courses. Pourquoi j'avance lentement comme ça? C'est quoi cette histoire? Non, attendez. Je vais quand même aller vérifier un truc. Ah, j'avance déjà un peu plus vite, mais c'est pas ouf, quoi. Putain, j'ai pris du poids, hein. Je pèse 91 ou un truc comme ça. Ou 91 pour les Français. Ouais. Ok, bon, bah, c'est peut-être pour ça que j'avance pas vite. Bon, ça va s'améliorer avec le temps, hein. Peut-être que je vais maigrir, mais... Je me dis que là on est mal quoi. Alors, il y a du travail. À l'op. Empty sewage tank. Empty sewage tank. Excellent. Allez, on va faire ça. On va aller empty le sewage tank. Non, on va aller tester la voiture, tiens. Ah, je vais aller voir aussi la voiture parce qu'il a dit qu'il la repeint. J'espère qu'elle est pas en bleu. Liquide de frein, refroidissement, excellent. Putain, il a fait les courses et tout. Non, c'est la même. C'est la même couleur, je pense. Ah non, elle est jaune. Elle est jaune, la voiture. Elle est moche. Qu'est-ce que c'est moche. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, la voiture est complètement terminée. Par contre, il a... Putain, il a enlevé mes pneus ralif. Mais non. Il m'a enlevé mes pneus rallye. Oh le con. Oh je suis fâché là. Oh. Bon c'est pas grave. On va faire comme si rien ne s'était passé. Hein. Du coup je me dis que ce serait peut-être bien de commencer cet épisode numéro 1 de la saison 4 en allant faire les courses comme je disais tout à l'heure. Je vais vite fermer ça. On va... En même temps aller chercher de la peinture hein, parce que j'ai pas envie de cette couleur jaune caca. On dirait que c'est un oiseau qui a eu une vieille diarrhée là mais... Et on va tester cette petite voiture. Excellent. Wow. Putain on est confortable ici. Ouais. Oh elle fait un joli bruit en plus. Putain. Excellent. Attendez, hein, c'est à vitesse le truc. Il a le frein à main. Oh, il y a une ceinture de sécurité. Excellent. Ouais. Ça roule tout seul. C'est quoi ce truc? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est en automatique, ça roule d'office tout seul. C'est toujours comme ça. Ah, excellent, c'est une voiture automatique. Pour être honnête avec vous, j'ai jamais roulé avec cette voiture. Hein. Ouais, par contre... C'est pas une Ferrari, hein, ça. Bon, allez, on va tracer au magasin pour aller voir ce qu'on peut se choper, là, parce que... Je me dis que sans argent, enfin, sans bouffe, on est rien, quoi. Ça lac. Attends une fois. Oh, il est presque 6 heures. Merde, putain, ça tourne pas. Il est presque 5 heures, je veux dire. Les magasins ferment à 6 heures, mais... Nous, on va tracer au magasin au plus vite. D'où aller. Donc, on va aller au magasin, chercher de la peinture, de la bouffe, du lait, des trucs comme ça. Non, putain, il m'a fait peur ce con. Pourquoi il traverse la rue comme ça? Il est fou, quoi. Ah, ben dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge avec cette bagnole, moi je vous le dis. Ouais, après 5 ans, ça n'a pas changé ici, hein, en tout cas.
Et comme mon père disait sur la lettre, à l'occasion, je pense que je vais aller rendre visite à ma grand-mère. Parce que... Ouais, donc je me dis que rendre visite à la grand-mère et tout, ce serait pas mal. J'espère avoir beaucoup de retours de votre part concernant cette saison 4, puisque c'est encore une fois synonyme de rédemption. Oh, le cousin, il est là, le cousin. Oh putain, mais il est fou celui-là. Mais dégage, allez hop, barre-toi avec ta caisse. Bon, on va prendre l'autoroute, hein. On va pas se casser la tête. Allez, on trace la route jusque Perajärvi et puis on fait nos petites courses. Putain, il est 5h20 déjà. Attendez, on va vite aller faire les courses, après, enfin, j'espère qu'il n'y a pas... On s'en fout, en fait, du chien. Ok, on éteint ça. Merde. Il est où l'interrupteur pour... Ah, voilà. Ah, bah dis donc. Home sweet home, hein, comme on dit. Alors... Ouais, et alors, t'as un problème? Putain, avec quel pays? Oh, c'est toi. Alors, quelques saucisses. Histoire de faire notre journée, des macaronis. Pizza. Quoi, il est sur le point de fermer? Il ferme à 6h maintenant? C'est nouveau ça. Des clopes. Oh, batterie, je sais pas. Je sais pas s'il faut une batterie. Est-ce que j'en achèterai une? Non, je vais l'acheter plus tard, tiens. Je vais aussi... On peut ouvrir cette porte? Non, on peut pas l'ouvrir, dommage. Ah oui, oui. De la bière. Non, j'ai déjà de la bière. Ah, et charbon de bois, ça il fallait. Putain, j'entends le kleps aboyer jusqu'ici, quoi. Ok, impeccable. Bon, allez, à plus. Dans le bus. Voilà. Comme ça, c'est bien rangé. Bon, si sur le point de fermer, alors c'est que le bistrot va ouvrir. Mon avis. Attendez, je vais juste faire un truc avant de partir. Putain, c'est chiant de pas savoir avancer comme ça.
Voilà. Impeccable. Allez, on se barre à la maison. Ah ouais, j'oublie à chaque fois. Faut rester appuyé sur le frein, sinon on avance tout seul. Ah, vous savez quoi, on va passer par là, tiens. Par les petites routes. Ah non, je voulais une fois aller voir le chien, c'est juste. Mais s'ils sont partis, alors je me demande pourquoi... Comment ça se fait qu'il a laissé sa voiture là? Il a laissé une autre voiture alors. Enfin, il a acheté une autre voiture, probablement. Ou bien il est parti avec le pick-up et il me l'a pas dit. Ouais, c'est possible. Mais quand même, il faut voir ce chien là. Qu'est-ce qu'il est occupé à courir au milieu de la route là? Il veut quoi le chien? Eh viens! Excellent! Putain, le chien, il me suit! Allez, je prends avec. Vous savez quoi? On va avoir un petit animal de compagnie à la maison. Bon, j'espère qu'il va pas s'envoler, hein. Excellent. Hein? Allez hop, c'est parti. De l'autre côté, fieu. Allez, ceinture. Oh, il tient la route. Ouais, ça va. C'est bon. Le chien n'aime pas trop la voiture. Ah, et saison 4 qui commence sur les chapeaux de roue, franchement. Bon, on a fait des courses, on a acquis un chien, on a une nouvelle voiture apparemment. Et je vais flinguer ce chien s'il continue d'aboyer. Oh là là, ça va être une galère, j'aurais peut-être pas dû le prendre avec. Plus. Merde, il est encore là. Bon, allez, un petit timelapse jusqu'à la maison et on se retrouve là-bas dans quelques secondes. Quand même, attends, hein, on arrive avant le coucher du soleil. Et quand même une voiture qui tient la route, ça, on dirait. Mais elle tourne pas, ça, c'est un problème. Excellent. Impeccable.
Ouais, ceinture. Allez, chien, sors de là. Ouais, ça va. Allez, suis-moi. Viens. Mais viens. Est-ce qu'il va me suivre? Ah ouais, il me suit, c'est bien ça. Allez, viens. Oh non, c'est pas vrai, putain, ça commence déjà. Ah bah ça commence, les affaires reprennent. Enfin, dans l'épisode prochain, parce que là pour l'instant, je vais vous laisser. Hein. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur My Summer Car, épisode 1 de la saison 4. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse. Ciao, ciao.